Bonjour, félicitations pour hier, vous avez eu un Molière. Oui. Ce soir vous êtes à Cannes, vous êtes dans quel état d'esprit? Moi j'adore Cannes, je crois que je viens quasiment tous les ans. Et puis alors cette année, je considère ça comme un privilège d'être dans un jury, de voir deux films par jour. Voilà. Venez, vous ne faites pas écraser. Ça dépend par qui. C'est vrai. Vous êtes membre du jury Un Certain Regard. Nadine Labaki, ouais. Le président, vous avez vu Capharnaüm? Oui, bien sûr. Bah oui, oui absolument. Bah, je suis très contente parce que le jury, il est très éclectique. En fait, c'est à l'image de Cannes. Le seul mot qu'on a en commun, c'est cinéma. Il y a absolument toutes les manières de faire du cinéma, toutes les cultures qui sont représentées. Il y a un Argentin, Lucas Donde, Girl. Enfin, il n'y a aucun point commun entre les films des cinéastes qui sont réunis là. C'est ce que moi, je trouve très excitant. Vous avez une attente en particulier, un film, un réalisateur, un moment pour ce festival? J'ai très envie de voir le film de Monia Chokri, c'est ultra subjectif, c'est celui qui ouvre le festival. Mais évidemment, je ne vais pas vous cacher que je suis en joie de voir celui d'Honoré. Donc j'ai vu tous ces films, toutes ces mises en scène, c'est un metteur en scène que j'adore et que j'adorerais bien avant de travailler avec lui. Il y a du monde et puis surtout tous ceux que je ne connais pas. Merci beaucoup et encore une fois, félicitations pour votre Molière d'hier soir. Merci.